we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Et bienvenue dans ce troisième épisode du Vlogtober 2022, Vlogtober Tricot, puisque vous êtes sur une chaîne de tricot. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 octobre et comme les jours précédents de ce Vlogtober, je vous emmène dans mon quotidien autour du tricot. Je ne vous raconte pas ma vie hors tricot, puisque ça, c'est de l'ordre du personnel. Par contre, je vous raconte tout ce que je fais dans la journée autour de mon tricot. Donc ça, c'est pour les épisodes de Vlogtober. Si vous préférez tout ce qui est podcast ou culture autour du tricot, tout ça, je vous invite à aller voir plutôt les épisodes qui sortent le dimanche. Alors aujourd'hui, j'ai trois petites choses au programme, donc c'est un jour où je travaille, donc j'ai pas non plus un temps énorme de tricot, mais par contre je vais utiliser mes petites pauses ça et là pour réaliser donc trois choses. La première, je vous avais parlé de ce fameux gilet que j'aime beaucoup, la forme que, où est l'endroit, où est l'envers, là. Voilà, donc c'est un gilet que j'avais réalisé, donc c'est un design de Marie-Christine Lévesque. Décidément, ce matin, je ne suis pas en forme. De Marie-Christine Lévesque que j'avais, donc c'est le gilet Saint-Barnabé que je vous avais présenté dans des podcasts précédents et que j'avais réalisé dans une laine high twist de La Bien-Aimée dans le coloris Calessi. Que j'aime beaucoup, mais qui bouloche énormément. Et donc, je vous en avais parlé dans le podcast précédent. Je me retrouve avec des bouloches en quantité astronomique, alors qu'il n'a été porté que 4 ou 5 fois. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de ces petites bouloches, le raser pour la première fois. Et donc, je vais vous emmener pour vous montrer comment je m'occupe donc de ces fameux tricots. Donc vous voyez, il bouloche vraiment, c'est impressionnant. Moi, j'ai jamais eu, alors là, pour le coup, jamais au grand jamais, alors si j'avais un cachemire qui boulochait, d'ailleurs, c'était aussi une laine de la bien-aimée, mais là, c'était plus normal. Là, pour un mérino high twist, je ne m'attendais pas à ce que ça bouloche comme ça. Donc moi, mes tricots, je les rase avec un petit rasoir électrique sur lequel il y a bien sûr une protection devant pour éviter de mettre vos fils à l'intérieur. Et donc c'est un rasoir qui est à pile, donc c'est bien pratique et qui me sert à entretenir mes tricots. Si jamais vous n'en avez pas, je vous invite, si jamais vous tricotez et que vous n'en avez pas, c'est l'accessoire indispensable pour entretenir vos tricots, sinon vous aurez des tricots qui vont finir par boulocher à un moment ou un autre. C'est vraiment très rare les tricots qui ne boulochent pas du tout, ou du moins, voilà, s'il y en a certains qui boulochent tout de suite, il y en a d'autres qui vont boulocher une fois dans l'année, vous avez besoin de les raser, d'autres vous avez besoin de les raser plus souvent. Donc moi j'utilise ce rasoir, je vous mettrai le lien dans la barre de description et donc je vais vous montrer son travail, son rendu et tout ça. Donc ça c'est la première chose dont je vais vous parler. La deuxième chose, c'est que moi j'ai envie de castonner quelque chose de nouveau. Et quand on reçoit de la laine, je ne sais pas si vous c'est comme ça, mais il y a une urgence à l'utiliser. D'autant plus que j'ai fini pas mal de projets ces derniers temps, que je suis dans l'attente de vendredi où il y aura la sortie des Stephen West. Je ne veux pas non plus commencer 36 choses. En tout cas, j'ai besoin de castonner. Terrible, terrible, terrible. Et donc, je vais en profiter, je vous avais montré, j'avais reçu samedi, j'ai reçu de la laine de chez Drops, de la Lima,
donc en alpaga et laine et de l'alpaga de silk. Et aujourd'hui, je vais faire mon échantillon. Et si j'ai le temps, je ferai certainement le cast-on de mon projet. En tout cas, je vais d'abord vérifier que mon échantillon soit bon. Donc je vais échantillonner pour vérifier si donc cette lima qui est une déca et cette alpaga silk qui, pour rappel, je vérifie si je peux utiliser cette alpaga silk en remplacement du mohair qui moi me pique. Donc j'ai vérifié, hein, j'ai passé une bonne partie de la soirée avec ma petite pelote sur l'avant de sur ma partie sensible qui se trouve ici. Moi c'est ici quand il y a quand les laines me piquent, c'est vraiment au niveau du décolleté, puis c'est la partie où j'ai en ce qui me concerne la plus grande sensibilité. Donc par contre, toute seule, elle ne me pique pas. Donc déjà, c'est encourageant. Par contre, maintenant, il faut que je vérifie si l'association de ces deux laines me donne le bon échantillon par rapport à mon projet. Mon projet me demandait une laine en worsted. Celle-ci est une déca. Celle-ci est un peu plus épaisse qu'un mohair. J'espère vraiment qu'en associant les deux, je pourrai me retrouver avec un pull doudou bien chaud et bien moelleux. Donc je vous emmène tout à l'heure, je vais faire mon échantillon. Une fois que mon échantillon sera fait, je vais le faire sécher rapidement. Et s'il est sec et qu'il est bon, je vous montre mon cast-on du jour. Et donc mon cast-on du jour, je l'espère, sinon ce sera demain. Il vient de ce livre que je vous avais déjà présenté, Salt and Timber. Je vous l'ai montré déjà, je crois, à plusieurs reprises. Et le modèle que je souhaite faire, ça c'est quand on ne prépare pas ces épisodes, il est là. C'est le Lighthouse Keeper Pullover, qui est, je trouve, un bon pull bien chaud pour l'hiver. Alors c'est un pull d'hiver, hein. Voilà, là pour le coup on est sur de la laine épaisse, et sur de l'alpaga, et sur de la partie... voilà, bien chaud, puisque l'alpaga, hein, c'est une laine très très chaude. Du coup, ça fera un bon pull doudou pour l'hiver. Donc, et ma fille, pour la petite histoire, ma fille a regardé ma laine en me disant « Oh là là, mais c'est chouette tout ça, ça serait bien pour un pull pour moi. » Déjà qu'elle m'a piqué mon calisson de Loli Lafay. Je vous en avais pas parlé, hein, ça. Mais ma fille m'a piqué mon calisson en me disant « Il est trop beau sur moi, je le garde. » Bon, donc il faut que je m'en refasse un. Pourtant, elle est plus fine que moi, mais sur elle, ça fait un pull vraiment oversize, qui tombe. Donc, ça lui va à merveille. Donc, j'ai pas pu lutter, donc je lui ai donné. Donc, si le pull est réussi et si cette association de laine fonctionne, il n'est pas impossible que j'en fasse un deuxième, un espèce de duo mère-fille. Donc ma fille, pour ceux qui savent pas, ma fille a 16 ans, donc elle a une taille adulte. Par contre, elle est 16 ans, hein, donc elle est beaucoup plus fine que moi. Moi, j'ai forme de femme bien assumée de quarantaine passée, hein, puisque j'ai 45 ans, encore 45 pendant quelques mois. Mais voilà, il est possible, pour une fois qu'elle me demande un pull qui lui plaît, qui me plaît à moi, c'est vrai qu'elle n'a pas de gros pulls d'hiver. Donc voilà, tricoter en, je pense que ce sera un S pour elle, voire un XS peut-être même, avec une grosse laine comme ça, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et je lui ferai peut-être la surprise de lui offrir ce pull pour Noël. Alors je vais essayer de ne pas lui faire la même couleur. Il faudrait du coup, dans ce cas-là, que je retourne acheter quelques pelotes supplémentaires d'un autre coloré. Mais d'abord, je vais m'occuper du mien, voir comment il se tricote, si c'est plaisant, si ça va vite. Moi, j'ai habituellement pas l'habitude de tricoter avec des grosses aiguilles. Ce projet-là est designé pour se tricoter en 4 pour les côtes et 5 pour le corps. Donc 5 pour le corps, ça va monter très vite. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si mes doigts... aime beaucoup tricoter du 5. Moi, j'ai plutôt l'habitude de tricoter de la déca ou de la vraiment beaucoup de fingering. Moi, j'aime les petites aiguilles, les fines aiguilles. J'aime quand, voilà, quand ça tricote très vite. Avec les grosses aiguilles, moi, je suis plus lente. C'est une question d'habitude. Mais mon geste est moins fluide. Alors, peut-être que c'est juste une question d'habitude. Voilà. En tout cas, voilà. Je vais sortir mes aiguilles de 5. Je crois que je vais peut-être... non, je n'ai pas traîné mes aiguilles de 5 parce que j'ai déjà fait les carrés de coton en aiguilles de 5. Je n'ai pas un super souvenir, mais certainement que c'était parce que c'était du coton.
Donc voilà, bah je vous reprends tout à l'heure dans la journée pour vous montrer tout ça. Donc là maintenant je vais aller raser mon gilet à bouloche. De midi pour faire mon échantillon et je suis très contente parce que dans le patron il fallait un échantillon de 17 mailles sur 24 rangs pour 10 cm. Moi j'utilise pas du tout la même laine que le patron, hein. Je vous en ai parlé juste avant, j'utilise une association de Lima et de Alpaga Silk pour une laine qui est normalement un worsted et ça fonctionne. J'ai en aiguille de 5 l'échantillon parfait. J'ai rien à changer, donc oh, j'adore quand un plan se déroule sans encombre. Donc voilà, très contente, ce qui veut dire, alors je vais quand même aller vite fait le plonger, le laver, enfin le laver, je vais le mouiller, le bloquer pour vérifier qu'il ne bouge pas. Mais je pense pas qu'il va bouger l'alpaga. Quand on le mélange deux fils normalement, alors l'alpaga, c'est une fibre qui potentiellement peut se détendre quand elle est toute seule. Mais là, on est sur de l'alpaga Hélène et un alpaga Essoie. Normalement, quand il y a des mélanges comme ça, c'est beaucoup plus stable que quand vous avez vraiment une fibre seule, où là, vous avez l'élasticité qui joue de la fibre. Donc, je vais aller mouiller tout ça. Bien l'essorer et bien la laisser bloquer et sécher dans l'après-midi. Comme c'est un petit échantillon, je vais le mettre pas loin de ma cheminée parce qu'il fait froid et donc j'ai fait du feu. C'est un petit peu le bonheur, on va dire, de cette intersaison. Le chauffage n'est pas encore en route, donc on fait des petites flambées par-ci, par-là. Et l'avantage, c'est que ça fait sécher nos tricots un peu plus vite parce qu'on peut les mettre pas trop loin du feu. Alors, pas tout près non plus, mais pas trop loin du feu. Donc, je vais aller le laisser sécher. Et si tout se passe bien, il est possible que je castonne un nouveau projet aujourd'hui. Ah, j'adore cette période-là. Bon, je vous dis à tout à l'heure. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no. Alors, ça y est, j'ai castonné puisque mon échantillon était bon. Et alors, moi, j'ai choisi de dévier du modèle parce que. Alors, que je vous explique. Le modèle demande un caston en long tail. Par contre, en lisant le patron, je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agissait d'un col qui était retourné sur lui-même et qui, au bout d'un certain nombre de centimètres, nous demandait d'aller récupérer les mailles de montage pour les tricoter ensemble. Et alors ça, très honnêtement, je me sentais pas de le faire avec une maille double.
c'est-à-dire tricoter avec deux fils. Donc moi j'ai préféré faire un montage provisoire au crochet. C'est un montage qui est très très facile à faire. Je vous ai filmé quelques images. Une fois qu'on a attrapé le truc de tenir le crochet et l'aiguille, ça va tout seul. Et alors l'avantage, c'est que lorsque vous allez récupérer vos mailles après, vous allez tout simplement tirer sur votre fil qui chez moi est bleu. Ça va libérer la première maille et donc vous allez pouvoir tout simplement la tricoter très rapidement ensemble. Donc voilà, j'ai tricoté mon premier rang du col. Donc là maintenant je suis partie pour joindre en rond. Pour ce projet, j'ai choisi de mettre un petit marqueur. Alors je ne sais pas s'il monte sur mes aiguilles. Si, il va sur mes aiguilles. Donc, parce que la boucle est très petite. Voilà, donc moi j'ai choisi d'associer à ce projet-là ou cet ouvrage-là. Je vais utiliser le petit marqueur que j'ai reçu de Laine et de Chaudron dans sa box du Petit Prince. Donc, c'est le petit renard sur la lune que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Et donc, ce sera le marqueur de début de rang de mon ouvrage. Alors, je vais voir parce que il n'est pas impossible que je le change. Je vais voir au tricot, parce que vous voyez, le trou est vraiment petit par rapport à mon diamètre d'aiguille. Donc, je vais voir à l'utilisation. Sinon, je ne sais pas grave, je le mettrai sur un ouvrage avec des aiguilles plus fines. Parce que là, je suis en 4 pour le moment. Maintenant, ça ne va pas aller. Je suis en 4 et le corps se fait en 5 après. Donc, ça n'ira pas. Ah! Donc je vais fouiller dans ma boîte à petite surprise. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Ce sera un petit chat. Voilà. Bon, finalement, ce sera un petit chat noir. Là, je suis sûre que il n'y a pas de risque que ça ne fonctionne pas sur les aiguilles plus grosses. Donc voilà, bon bah je vous laisse. Je ne sais pas si je reviens encore vous voir une fois aujourd'hui. Vous verrez ça tout de suite pour vous, plus tard pour moi. Je vais certainement avancer ce col, soit maintenant si j'arrive à me poser, soit ce soir. Et dans ce cas-là, je reviendrai vous le montrer certainement demain matin dans le vlog de demain. Après, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que ce projet-là, vous le verrez bien plus en détail sur le podcast. Mais quand même, quand il y a des points techniques comme ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de vous le montrer. Et le vlog est le format parfait en fait pour vous montrer ce genre de petite progression au fur et à mesure du projet. Donc là, je vais joindre en rond. En termes de ressenti, le tricot de ces deux fils ensemble, c'est vraiment... voilà, on est sur un petit nuage. Hein. Là, clairement, on a autour de... Alors, je pense que vous l'avez vu quand je tricotais. Hein, on est vraiment sur un fil bien, bien doudou. Donc, à voir. Pour l'instant, c'est sympa. Maintenant, j'attends de voir si j'arrive bien à repérer mes mailles et à les tricoter ensemble ou si le fil se dédouble ou pas. Je vous dirai ça par la suite. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things
right.